Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre les problèmes des messages vocaux WhatsApp. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous prie de vous y abonner. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques méthodes qui pourraient vous aider à résoudre ces problèmes. Premièrement, vous devez vérifier si l'application WhatsApp est à jour. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'application Play Store. Dans sa barre de recherche, veuillez saisir WhatsApp. Puis valider. Voilà, vous pouvez remarquer que mon application WhatsApp n'est plus à jour. Deuxièmement, vous feriez mieux de vider le cache de l'application WhatsApp et effacer toutes les données. Pour ce faire, veuillez cliquer sur Paramètres. Cliquez ensuite sur application, puis cliquez sur application, cherchez l'application WhatsApp, application WhatsApp, veuillez cliquer dessus, cliquez sur stockage. Voilà, c'est ici où vous allez effacer les données et vider les caches. Heureusement, j'ai déjà effacé toutes les données et vidé les caches. Je vais maintenant passer à la dernière solution. Elle consiste à autoriser toutes les autorisations. Pour ce faire, je vais cliquer sur Paramètres. Je vais cliquer ensuite sur Applications. Oui, je vais cliquer sur Applications. Je vais chercher l'application WhatsApp. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur autorisation. Voilà, vous pouvez remarquer que localisation, appareil photo, microphone, contact et autres ne sont pas autorisés. Je vais les autoriser. Voilà, je viens d'autoriser localisation. Je viens d'autoriser appareil photo. Je vais également autoriser microphone, contact, messagerie et autres. En procédant ainsi, vous allez résoudre les problèmes des messages vocaux WhatsApp. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Si elle vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.